Yop les tryhards, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Call of Duty Cold War. Et aujourd'hui on va se retrouver concernant une toute nouvelle vidéo concernant le camouflage or. J'ai débloqué récemment le camouflage or sur la AK-47 comme tu as pu voir directement avec mon petit personnage. Et je vous avoue que c'est un énorme calvaire, ça prend énormément de temps, ça prend plus de temps que sur les autres Call of Duty. Tout simplement parce que l'XP d'armes est super long, vraiment c'est super long. D'ailleurs je vous recommande fortement de jouer en zombie et de monter vos armes, cela vous permettra d'XP beaucoup plus rapidement vos armes et également vos défis. Comme vous avez pu voir d'ailleurs dans la vidéo d'hier, pour ceux qui n'ont pas vu, vidéo tuto XP que je vous invite fortement à voir pour ceux qui veulent absolument grind Cold War. Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau. Il suffit juste de s'abonner, d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et d'ailleurs, on n'oublie pas de martyriser cette barre de like. Tu connais l'objectif, les 2000 likes en moins de 24 heures, ça fait toujours plaisir, ça monte le soutien. Et en plus j'essaie de m'améliorer, j'ai carrément mis la facecam maintenant, c'est un truc de fou. Et non, plus sérieusement, ça me permet également de faire évoluer la chaîne YouTube, etc. Ça montre que vous kiffez le contenu et ça fait toujours extrêmement plaisir. Et petit point important, je suis tous les jours en live sur Twitch, donc il va falloir que tu viennes. Aujourd'hui, on était entre 300 à 500 viewers sur Twitch. On est en train de monter tous les camouflages en or, road, tout, diamant et ensuite Dark Matter. N'hésite pas à venir, twitch.tv/locktetto. J'ai donc débloqué le camouflage or sur l'AK-47 et j'ai l'impression de m'être fait douiller. Bon, je pense que si tu regardes là maintenant, tu dois dire non mais c'est du foutage de gueule. T'as 15% d'or et le reste c'est absolument normal. C'est vrai que j'ai pas eu de chance et j'ai choisi vraiment la pire arme là-dessus. Du coup, je vais vite vous montrer le camouflage or sur l'AK-47 comme vous pouvez voir, qui est franchement ultra stylé. On dirait vraiment le camouflage or de Call of Duty Black Ops 1. C'est exactement le même délire. Quand je dois comparer le camouflage or de Call of Duty Cold War à celui de Modern Warfare, et ben très clairement le camouflage de Cold War est juste magnifique. Treyarch a toujours su faire de meilleurs camouflages que Infinity Ward. Ça, là-dessus, on est tous d'accord si tu compares les camouflages des Black Ops à ceux de Modern Warfare, il y a très clairement une évidence. Et du coup, sur Cold War, vous pouvez voir ma petite AK-47 qu'on va voir au niveau du rechargement et qu'on voit plutôt assez sympathique ce petit camouflage or. On dirait pas hein, au niveau du menu, mais en réalité, l'or est quand même assez omniprésent sur l'arme. Évidemment, il y a d'autres armes, comme vous pouvez avoir la XM4, comme vous pouvez avoir la Galil et tout. Et en ce moment, je suis en train de grind la M16 et la MP5 en or et j'ai vraiment hâte de voir ce que cela va donner. Pour terminer cette vidéo, je vais vous laisser avec un gameplay nucléaire. Vous allez voir si j'ai réalisé la nuque ou pas. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Compliqué. Putain. Ah la MP5 c'est vraiment la pire arme de tous les temps, vraiment là c'est... you
Oh, la MP5, mec! C'est insupportable comme arme! Dur, hein. Dur comme début de game. Ah, c'est bon, j'ai encore ma machine de guerre. J'ai oublié. Série 15. Non ! Série de 20, putain !
Ah, dommage. Putain, dommage.